Nous avons arrêté Camello Cabilla, l'une des 5 grandes têtes du réseau, celle-ci étant spécialisée dans le proxénétisme. Son trafic va se voir diminuer ces prochains temps, ce qui va réduire les sources de revenus pour l'organisation terroriste. Check the mic and make sure it sound right, boys. Camello Cabilla est entre nos mains, en cellule dans nos bureaux du FIB. Nous n'avons pas de nouvelles de Brian Narco, celui qui s'occupe du trafic de voitures. En tout cas, félicitations à Jean Mcolo. Les courses-poursuites que vous avez menées dernièrement étaient toutes liées à des vols de véhicules. Et il est fort probable que Brian Narco soit derrière tout ça. Agent Mcolo, votre nouvelle mission est de vérifier que le trafic de femmes s'est bien calmé en ville. Camello est derrière les barreaux, mais ça ne veut pas dire que le proxénétisme est terminé. Nous voulons juste nous assurer qu'il n'y ait plus de lien avec notre opération antiterroriste. Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel. Comme d'habitude, excusez-moi pour ma voix du début, on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode, si je dis pas de bêtises, de notre aventure LSPDFR. Regardez, je suis avec mon collègue aujourd'hui qui a également la même casquette que moi, j'espère que vous avez kiffé l'intro, merci beaucoup pour vos retours sur la dernière vidéo. Écoutez, vous savez quoi, on va faire un peu comme les autres, on va essayer de se faire battre des records, si vous êtes chaud. J'ai vu 80 likes sur, sur le dernier épisode de LSPDFR, les amis, on va essayer de battre ça, je compte sur vous pour 90 likes. Voilà, on va monter crescendo, si vous êtes chaud. Aujourd'hui, pour cet épisode, vous l'aurez compris, nous sommes regardés en véhicule banalisé. C'est un véhicule classique, puisqu'aujourd'hui, on va tout simplement patrouiller dans la nuit. Là, il est 23h, on va tout simplement se balader, répondre à certaines interventions, faire un petit peu attention à tout, et voilà, on est un petit peu en mode filature pour un petit peu inspecter les environs, voir s'il n'y a pas trop de prostitution par-ci par-là, et puis voilà. Alors, est-ce que tu peux rentrer, voilà, dans la voiture? Ce serait éventuellement un petit peu mieux, collègue, hein, parce que là, tu déranges un petit peu les gens. Donc, pour résumer, qu'on soit bien d'accord, Camello Cabilla s'est fait arrêter, donc c'est la grande tête du réseau sur le proxénétisme, justement. Donc là, on va vérifier que tout se passe bien. On va également répondre à d'autres interventions. Et on a alors Brian Narco, qui s'occupe c'est lui la grande tête du réseau avec les véhicules sportifs. Alors lui, il n'a pas encore été arrêté. Par contre, vous l'aurez compris, dans le dernier épisode, les poursuites qu'on a effectuées, eh bien, étaient liées pour la plupart à Camello. Justement, à Brian Narco. Et d'ailleurs, en commentaire, vous l'avez dit, il y en avait un qui ressemblait à lui. Alors, c'était pas lui. En vrai, c'était pas du tout lui. J'ai vérifié, il ressemble pas du tout. Mais c'est vrai que ça aurait pu, et ce n'est pas le cas. Donc voilà, ça fait plaisir. Pour ce qui est des autres grandes têtes du réseau, on n'a pas encore de nouvelles. On a évidemment John Cropp qui surveille l'aéroport jour et nuit. Donc, voili, voilou. On va pas être trop méchant hein, aujourd'hui. Hein. Vraiment, c'est un épisode chill. J'espère que ça va vous plaire. Enfin, c'est un épisode chill. Il peut se passer plein de choses, mais voilà. Là, vous voyez, le checkpoint a été enlevé ici, puisque du coup, ben, Brian Narco, comme dit, a été arrêté. Hein, donc, il habite dans ces quartiers. Comme il a été arrêté, on a arrêté. Ça fait beaucoup de arrêter, mais on a mis fin justement au contrôle abusif ici. Mais évidemment, vous savez très bien que des hélicoptères patrouillent un petit peu, et notamment, nous sommes là pour patrouiller. Alors voilà, on va mettre ces feux là parce que ça fait un petit peu mal aux yeux. Donc voilà, moi je suis prêt. Là, on a un véhicule très joli. Il est garé pas comme il faut. Il est pas garé comme il faut. Ok, on a une course poursuite avec un camion bagage. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas. On va se joindre. On va se joindre à la poursuite. Alors, qu'est-ce qu'il fait?
Attendez. Ok, en fait tous les chemins étaient bons, d'accord, ok, j'avais pas compris comme ça. C'est mon collègue là-bas qui m'a induit en erreur. Bon, on est parti les amis, première intervention. Une course poursuite. Il y a déjà plusieurs collègues qui sont impliqués sur la course. Là, il va pas aller bien loin, hein, très sincèrement. Il va pas aller bien loin. On l'a perdu, mais on va vite le retrouver. On va vite le retrouver, ne vous inquiétez pas. Il s'est mis dans un bourbier. J'ai pas encore compris l'intervention, ce que c'était vraiment. On va voir ça de toute façon. Je l'ai vu, vous l'avez vu. Il est là. Arrête-toi! Police, on s'arrête! Oh putain, il va nous défoncer. On va crever les pneus. Voilà, allez. On remonte, Patrick. Patrick, remonte, on n'a pas le temps là. Voilà. C'est bon, t'as pris ta pause café. Tu t'es dégourdi les jambes, t'as servi à rien. On est parti! Vas-y, c'est pas. Donnez-lui un nom à mon collègue. Donnez-lui un nom dans les commentaires. On verra lequel on choisira. Et puis comme ça, pour les prochaines patrouilles, il sera avec nous. C'est bon, il est bloqué. Ok, donc c'est un camion poubelle. Arrête-toi! Sors du véhicule, ça sert à rien! Ok, bon là par contre, on va se faire douiller. Il va pas aller bien loin, mais on va se faire douiller les gars là. On est pas bon là. Ok, il prend la poursuite à pied. La fuite à pied. Voilà, on va sortir le taser. Les mains en l'air, tu t'arrêtes, les mains en l'air. Couche-toi au sol. Vérifiez le camion là, s'il n'y a pas des individus à l'intérieur. Hein. Voilà, les collègues s'occupent du reste. Ok monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour course-poursuite et vol d'un véhicule d'utilité publique. Ok, lui c'est fait. On va directement le fouiller. Est-ce que vous avez quelque chose d'illégal ou de dangereux sur vous monsieur? Telle est la question. Il avait rien du tout. Il avait une lampe de poche. Il fait nuit, donc il avait préparé son coup. Ça c'est une évidence. Monsieur, vous allez vous mettre à genoux le temps qu'on libère un petit peu la circulation. Alors attendez, parce que là c'est vrai que c'est un petit peu la cata. Alors attendez. La police radio, elle va se calmer. Bon là en face, on va laisser se débrouiller. Là on va directement appeler une dépanneuse parce que là on va pas aller bien loin. Faut qu'on libère la voie le plus rapidement possible parce qu'il y a beaucoup de camions qui arrivent ici, qui circulent, voilà, surtout la nuit et tout, ça travaille dur, donc il faut qu'on libère la voie, sinon on va pas aller bien loin. La dépanneuse est là, nous on va se mettre sur le teco, hop là, et on va s'occuper de monsieur, voilà. Bon, relevez-vous monsieur. On va lui poser quelques questions, est-ce que c'est possible? Ouais, je suis un peu aveugle. Bon, qu'est-ce que vous faisiez là monsieur? Occupez-vous de vos affaires, d'accord. Vous venez d'où? De l'enfer, d'accord. Et vous allez où? Voilà, c'est toujours les mêmes réponses, je pense que ça sert à rien. Est-ce que vous êtes recherché par la police, monsieur? Vous avez raison, je vais vérifier par moi-même. Bon, eh ben on va pas aller loin avec lui, moi je vous le dis. Allez, centrale, c'est David Leach. On a pu récupérer sa carte, évidemment, en le fouillant, donc David Leach. Licence valide, pas de... Bon, ok, il est pas recherché, ok, très bizarre, monsieur. Monsieur le délinquant, la voie est libérée. Bon, sauf en face, on s'en fout. C'est pas nos affaires. On va lui faire un petit test. On va lui faire un petit test d'alcoolémie, hein, vous savez quoi? Eh, hey, collègue, on n'a pas encore ton nom, mais tu vas t'en occuper. Le petit test d'alcoolémie, comme ça, si jamais on peut lui donner encore plus de... Tu vois ce que je veux dire? Là, il faut qu'on lui mette la misère. J'ai envie de lui mettre la misère, mon pote. Putain, mais c'est qu'il est clean, ce con, en plus. Alors, on va pas lui faire un test de drogue, puisque du coup, il est négatif à l'alcool, et que surtout, je ne le suspecte pas d'avoir consommé quelque chose. Donc, je ne vais pas le faire. Il a l'air fatigué, il a un peu les yeux rouges, quand même. Hein. Bon, allez, on va faire un petit test de drogue, quand même. Et c'est moi qui vais m'en occuper, c'est moi qui l'ai dans la poche. Le petit test salivaire, vas-y. Il y a bien un truc qui est... Il est bien positif à quelque chose. Moi, je vous le dis, il est positif à quelque chose. Mais c'est pas vrai! Le mec, il est trop triste. Bon, monsieur, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Attendez, il y a un véhicule. Il y a un véhicule là-bas, cassé, abandonné. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? On va regarder ça. Ça me fait un peu peur. Bon, monsieur, on va vous appeler des collègues. Et puis, vous allez tout simplement dégager. Voilà. Et puis, il va prendre cher. Pourquoi vous avez volé un camion poubelle? Bon, on va vous poser les questions au commissariat. C'est pas mes affaires. Mais je vous trouve très débile. J'ai envie de lui mettre une claque dans la figure. Mais si je le fais, il tombe et il se relève pas. Et s'il se relève pas, je vais faire planter le jeu. Donc, on va pas le faire. Les collègues, ils sont là-haut.
Nous sommes en bas, ça n'a aucun sens. Bref, on va juste inspecter là-bas. Qu'est-ce que c'est? Attendez, on va sortir là. La lampe de poche. On est là pour ça, justement. Typiquement, c'est notre boulot. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un véhicule abandonné. Ok. Il y a dû avoir un accident. Il y a dû avoir un accident. Ah oui, ça fait depuis longtemps. Il a cramé le truc. Il a pas de pneus. Il a plus rien du tout. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. On peut pas... Il n'y a pas de plaque d'immatriculation. Il n'y a rien. Là, on peut rien faire. On peut pas, évidemment. Ok. Bon, bah écoutez, ça restera un mystère. Ça restera un mystère. Bon, les collègues. Oh, ils sont juste au-dessus. Attendez, attendez, attendez. Chut. Est-ce que je peux pas les faire apparaître plus rapidement? Oh là là. Bon, allez, viens, on se casse. Ils vont s'en occuper, je sais pas comment. Vas-y, viens, mon pote. Voilà, ils vont s'en occuper. On va se remettre disponible pour les appels et puis on va surtout reprendre la route en espérant que mes collègues ne fassent pas de conneries. Voilà, je suis plus en intervention, on est bien d'accord? Ouais, c'est bon. Eh ben, c'est une reprise de patrouille. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense que j'ai bien géré l'intervention. Voilà, je trouve que je m'en suis bien sorti. Alors, à part les collègues qui se sont mis là, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas comment ils vont faire pour le récupérer. Bon, bah, ne me dis pas qu'il a sauté. Le collègue a sauté. Hein. Le collègue, à mon avis, doit être très débile. Là, par contre, j'aimerais juste ressortir. J'aimerais partir d'ici. Voilà, c'est à droite. Très bien. Allez, on est reparti. Direction la ville. Et oui, ce que je disais, c'est qu'on va essayer d'être gentil avec les gens. Déjà que, voilà, c'est... monsieur est en train de faire pipi en plein milieu de... Mais... Monsieur, bonjour! Police! Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous faites pipi? Vous faites pipi? Vous faites jamais à la maison pipi, d'accord. Mais c'est un sketch. Ok, bah écoutez, je vais lui mettre une amende. Ouah, reviens! D'accord, monsieur prend la fuite. Monsieur prend la fuite. Voilà, c'est ça qu'on veut voir! Bravo! Ok. Allez, tu te relèves, les mains en l'air. J'ai dû le taser parce qu'il voulait rien faire. Ça, c'est beau, ça! Donnez-lui un nom qu'il mérite à notre collègue. Il vient de mettre une patate de l'enfer. Ça, c'est ce qu'on aime voir. Ça, c'est ce qu'on aime voir. Oh, putain, ouais. Ce moment insane. Insane. Bon, monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour pipi sur la voie publique, mais surtout pour refus d'obtempérer. Hein, c'est surtout ça, le problème, monsieur. On va se mettre là en sécurité parce que c'est un petit peu dangereux. Hop. Ah, bah, dis donc. Alors, frérot, tu vas te calmer direct. Pourquoi je peux pas faire quelque chose avec lui, hein? Eh, tu reviens avec moi. Ok. Ah, ok, je peux... Attendez, c'est bugué. C'est bugué. C'est bugué. Bon, monsieur, je peux rien lui faire. C'est bugué. Attendez. Attendez. Hop là, hein. La petite glissade. Bon, je peux rien lui faire. Monsieur, des agents de la sécurité viendront vous démenoter dans 2 minutes. Ce n'est plus mon problème. Je peux rien faire. Je peux rien faire, les copains. Bon, on y va. C'est bugué, c'est pas grave, on n'a rien vu. C'est bien fait pour lui, finalement. Et finalement, il aura son amende une fois démenoté. Allez, nous, on va continuer tout droit. On va partir de ce merdier, là. Et puis, je vais vous reprendre dès qu'on a une intervention, les amis. À tout de suite. Ok, on a une sollicitation. Justement, ça fait partie de notre plan. Donc là, c'est tout l'intérêt d'être discret. Nous avons une personne qui a été signalée comme potentiellement une prostituée. Aux États-Unis, c'est interdit. En France, je sais plus trop comment ça se passe. Bref, du coup, on va devoir... Ah non, il me semble que c'est pas la prostitution qui est interdite. Je ne sais plus. Si c'est ça, je ne sais plus. Bref. Donc là, il faut qu'on recherche cette personne sans se faire cramer. Alors, c'est pas elle. Hein. C'en est probablement une, mais c'est pas la personne recherchée. Et en fait, le but du jeu... Elle est là. Elle m'a pas vu. Elle a failli me voir. Alors attendez, on va essayer de faire un truc discret. Regardez. Alors c'est pas discret, mais on fait genre je me suis trompé de route. Voilà, là le but c'est qu'elle ne comprenne pas que je suis de la police. Bon, on va se garer là, regardez. Hop. On va éteindre les feux. On va se garer là, on va attendre. On la voit, elle est où? Je la vois plus. Je vais reculer un peu. Si, je la vois, elle est pile en face de nous. Et là le but du jeu c'est que les voitures vont s'arrêter. Bah là il y en a une qui s'arrête. Et si elle monte, là regardez, elle est en train d'aller près de la voiture. Si elle monte dans la voiture, à ce moment-là, je peux interpeller cette personne. Voyons voir, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est en train de discuter, ça se voit, c'en est une. Elle repart. Il repart, pardon. Très bien. C'est peut-être... Voilà, tu vois, en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas le droit d'arrêter les gens comme ça, là, au bord de la route.
Bah, pourquoi? Enfin, c'est du racisme, t'as pas le droit. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui attend quelqu'un, tu vois. T'as pas le droit de faire ça. Par contre, là, si elle rentre dans un véhicule, on peut avoir de vrais soupçons, et dans ce cas-là, on va pouvoir éventuellement procéder à un contrôle. Parce qu'on va suivre la voiture, elle va peut-être commettre un délit, et dans ce cas-là... Et ça peut être très très long, parce que là, j'ai peur qu'elle ne rentre pas. Ouais, elle ne rentre pas. Allez, la prochaine sera la bonne. La prochaine sera la bonne. J'espère que vous voyez bien, les amis, parce que c'est un petit peu loin. Attendez, on va se mettre... Là, c'est bon, là, elle est trop occupée, là. Elle est trop occupée pour nous voir. Voilà, et là, regardez. Je vais sortir mon appareil photo. Comme ça, on va mieux voir. Pas du tout. Puisqu'il y a l'angle mort. Oh là là, les gars. Il y a eu une explosion. Ok. Ah, j'ai entendu des coups de feu dans la radio. Bon, des collègues s'occupent. Elle monte dans la voiture. Voiture rouge. Ok, collègue. On y va. On va y aller. On va suivre discrètement le véhicule rouge. Et s'il commet des trucs, on va essayer de l'interpeller. Mais déjà, on va essayer de voir la plaque d'immatriculation. Ça finit par 57. Voilà. On va faire un contrôle. Le véhicule est cassé. C'est déjà un motif d'interpellation, ça. Devin Peterson. Il s'est fait arrêter 3 fois. Mais sinon, il est pas recherché. On va le contrôler parce que son véhicule n'a pas lieu d'être sur la voie publique dans cet état. Allez, on va essayer de l'arrêter. J'espère qu'il va obtempérer. Ce serait dommage pour lui, hein. Et pour sa copine aussi. Allez, mon pote. Oh, il va pas vouloir. Il va pas vouloir. Ah, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ok. Est-ce que j'appelle des collègues ou pas? Non, non, on va y aller comme ça. De toute façon, il va pas aller bien loin. Bon! J'enlève le taser. Bonsoir, messieurs, dames! Bonsoir, messieurs, dames. Alors, est-ce que je pourrais avoir votre papier d'identité? Qu'est-ce qui se passe? Mais tout le jeu bug, hein. Ça sent l'alcool. Qu'est-ce que c'est? Attendez, sortez du véhicule. Sortez du véhicule. Qu'est-ce que c'est que ce bug, là, les gars? La carte d'identité de la madame. Ok, j'ai tout récupéré. Attendez, sortez. Vous savez quoi? Sortez tous du véhicule. On va faire un truc. Non mais il y a tout qui bug, les gars. C'est insupportable. Sortez du véhicule. On va arrêter l'appel. Ah non, le bug continue. Ah yes. Bon. Bon allez, re tout le monde les amis. Malheureusement, le jeu a planté. J'ai dû recommencer du coup à restarter les plugins. Donc ça, c'est un petit peu dommage. On n'a pas pu finaliser cette intervention qui aurait pu être vraiment stylée. Mais c'est pas grave. Si on a l'occasion de le refaire, on le refera. Bien évidemment, nous, on va repartir du coup pour une nouvelle patrouille. Salut les collègues. Salut. Et attendez. Ah non, ça marche pas. Non, je voulais essayer un truc, mais le plugin ELS n'est pas... pas installé là aujourd'hui, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est très bizarre. Bref, c'est pas bien grave. Ok, bah écoutez, on va patrouiller par là-bas. De toute façon, l'aéroport derrière est sous contrôle, à peu près. Vous savez très bien qu'il y a une très grande présence policière et militaire également, et le SWAT qui est là-bas, comme vous l'avez vu au premier épisode, ça évidemment, c'est toujours maintenu au vu de ce qui se passe. Et là, on va tout simplement se promener au niveau des quartiers chauds, quartier des Ballas. Quartier des Vagos. Non, là, c'est les Ballas. Je ne sais plus. Je ne m'y connais pas. En tout cas, c'est les quartiers où il faut pas traîner trop longtemps avec un véhicule de police. Et là, on est plutôt discret. Bon, mon véhicule est un peu cassé. Hein. Mon véhicule est un peu cassé. Mais ça fait partie du RP. On ne peut rien y faire. Alors, voyons voir. Tout se passe bien, messieurs, dames. Bonjour. Moi, j'aime bien, c'est que les gens, ils portent des casques motocross alors qu'ils n'ont pas de moto. Et ça, c'est drôle. Attendez, on va passer par derrière. Sans écraser les gens. On va passer par là. On va essayer de faire peur à personne. Bon, ça consomme de l'alcool. Malheureusement, on peut pas faire grand chose. Déjà, on n'est pas spécialisé là-dedans. Ça, c'est les policiers normaux qui vont faire ça. Mais voilà, surtout, ils sont très nombreux à consommer de l'alcool. Et vous savez comment ça se passe. C'est partout pareil, malheureusement. Hein, la police, elle agit pas là où il faut, ce que les gens disent. Mais du coup, voilà, là, ça va créer des embrouilles pour rien. Donc, on va rien dire. Ok. Un véhicule de police qui a été volé. Ça, c'est une toute urgence. Et en plus, évidemment, le suspect est armé. Ce qui va de soi. Parce que pour voler un véhicule de police, c'est compliqué sans armes. Allez, on y va!
On est parti. Là, ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué. Je suis pour le moment tout seul sur la poursuite. Ok, on voit le véhicule qui fait n'importe quoi. Il va prendre l'autoroute. Il va prendre l'autoroute. Allez, on vient de le toper. Des collègues arrivent. Ça y est, des collègues en renfort sont sur place. Non, ils sont juste au-dessus. Il y en a un qui arrive derrière. Allez. On va essayer de le toper. Attendez, je vais sortir mon haut-parleur. Attendez, est-ce que ça fonctionne? Police! Police! Ah non, ça sert plus à rien, ça sert plus à rien. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Il va super vite et il maîtrise son véhicule. Hein. Il maîtrise son véhicule. Moi, j'ai pas le même véhicule. Hein. Moi, c'est un véhicule banalisé. Hein. Arrête-toi, ça sert à rien! Mets-toi sur le côté, tout va bien se passer! Il vient de me faire une queue de poisson un peu là. Hein. Allez, on va appeler. J'aurais bien aimé. Ben voilà. Des motos. Il me faut des motos là. Il me faut des motos, les gars. Allez, là on est nouveau sur une belle course poursuite. Ok, il est tout seul. Qu'est-ce qu'il fait? Il est tout seul, il est tout seul. On va lui crever les pneus, pas le choix. Oh. Dernier avertissement! On va donner des coups de feu si tu ne t'arrêtes pas! Ceci est un dernier avertissement! Premier coup de feu donné. Hop là. Voilà, c'est bon, il se rend. Arrête-toi! Sors du véhicule tout en douceur, les deux mains en évidence! Les deux mains en évidence! Voilà, couche-toi au sol, couche-toi au sol, tout va bien se passer. Aïe 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 aïe. Ça c'était quelque chose. Hein. Parfait. Bon, les collègues qui arrivent un petit peu en retard, mais c'est pas grave, ils ont permis de m'assister là-dedans. Monsieur, est-ce que vous avez quelque chose d'illégal ou de dangereux sur vous? On va vérifier ça par nous-mêmes. Allez, vas-y, collègue, occupe-toi de lui. Ah là là. Bon, là c'est un peu. La voie de droite est fluide, la voie de gauche. Par contre, il y a la moto qui dérange. Ok, il avait de la coke. Et c'est tout. Marco Vanchetti. Monsieur, est-ce que vous êtes recherché par... Mince, je me suis trompé. Est-ce que vous êtes recherché par la police? Parce que si tel est le cas, c'est vous qui avez pris la police, quoi. Ce serait fantastique. Ok, bon, en plus, il est recherché. Bon, monsieur, on va pas y aller par quatre chemins. Monsieur, les collègues, vous allez pouvoir le prendre? Ah non, ils sont en moto, ils peuvent pas le prendre. Bon, des collègues arrivent. Les collègues arrivent. Le monsieur est recherché, quoi. Alors, pour quelle raison? J'en ai pas la moindre idée. Mais c'est un petit peu compliqué. Merci beaucoup, messieurs. Comment on fait? On fait comme ça. Bonne journée. Enfin, bonne soirée, bonne nuit. Bon courage. Je sais plus quoi dire. Bon courage à vous aussi. Voilà, cours, 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 petit kirikou. Voilà. Ah non, mais non, mais non, mais non. Ça, c'est pas mon véhicule, ça. Je me suis trompé. Ok. Salut, collègue, tu me l'embarques. Fais gaffe, il est recherché. Hein. Voilà. Je voulais pas vous faire peur, monsieur. Je voulais rentrer dans ce véhicule. Hop. Et bien voilà. C'est une fin d'intervention, ça s'est bien passé. Pas de blessés, pas de morts. On peut repartir. Tranquillou bilou. On peut repartir tranquillou bilou. Les amis, j'espère que vous kiffez cet épisode. J'espère que vous kiffez LSPDFR. Et voilà, je suis trop content de voir vos retours. Moi, je suis trop content de pouvoir tourner. On essaie de faire avec les bugs. Il y a des mises à jour, des fois c'est chiant. Voilà, on essaie de faire vraiment avec. Et c'est pour ça que c'est pas très régulier, évidemment. Mais j'essaie de vous proposer le meilleur et voilà, je compte vraiment sur vous, j'espère que ça vous fait kiffer. J'espère qu'on va atteindre les 80 likes et qu'on montera encore plus haut à l'avenir. Tout simplement. Là, on va éviter de quitter la ville quand même. On va repartir par là. En plus, on a déjà patrouillé par là, donc on va revenir tout de suite sur la droite. Je roule un peu comme un Kirikou. Et oui, c'est vrai, je ne roule pas avec le G27 ces derniers temps. Alors avec les véhicules modés, c'est compliqué avec le volant. Mais là, pareil, j'avais un petit peu la flemme de mettre le G27 là pour cette patrouille, je vais pas vous mentir, mais bon, je pense que c'est pas non plus nécessaire. C'est quoi le véhicule là? Ok, je pense que c'est attendez, y a personne dans les environs là? Y a personne qui court de suspect? Je ne pense pas. Non, je pense le véhicule a été frôlé par un autre. Je pense. Bon, on vérifie hein. Là, y a des gangs un peu, ça fait un peu flipper, mais on est là pour ça, les gars. On est là pour vérifier que tout se passe bien. Je vais pas vous mentir, j'ai la queue entre les jambes. Hein. Je ne sais pas si cette expression se dit, mais... Attendez, on va repartir par là-bas. Comme ça, on va de nouveau être dans les quartiers.
Ça fait vide hein, le pont quand même là sans le checkpoint. Ça fait tout de suite moins de présence policière, ce qui est pas désagréable non plus. Ah mais c'est même pas ce pont en plus qu'on occupait je crois. Oui non c'est pas celui-là. Oh, vous voyez ce véhicule là? Oh c'est un kéké lui. C'est un kéké. Nous on n'est pas là, on est une unité discrète, on n'est pas là pour faire des contrôles comme ça. Lui c'est un kéké, lui fait pas de la merde, c'est l'essentiel. Ok. Il se passe quoi là? Il vient de voler un camion lui là non? Il vient de voler un camion lui là non? Il vient de casser la... Eh regardez, il vient de casser la fenêtre du camion. Mais qu'est-ce que c'est que ça là? On va y aller calmement. Monsieur? Tout va bien monsieur? Monsieur sortez du véhicule. Oh reste là! Oh police tu t'arrêtes! Tu fais quoi là? Mais fais pas le fou, je te tase! On va te taser là, reste ici! Attendez, je vais lui mettre une patate de l'enfer, je vais faire comme mon collègue. Attends, reviens là! Il est fou lui! C'est la police, tu t'arrêtes! Paf dans ta gueule! Pardon. Oh merde! Ok, on va directement demander. Ok, je demande vite! Il me faut vite une ambulance! Il me faut une ambulance! Oh merde! Attends, collègue, reste ici, hein. Moi, je vais vite chercher le véhicule. Bon, bah, l'enquête se poursuivra en externe. Là, on va devoir s'occuper de ce qui vient de se passer. Oups, oui, et j'ai écoutez, je me suis mis à la musculation, forcément. Oh là là, putain, eh. Le véhicule, il appartient à qui, là? Voilà, on va essayer d'avoir des informations. Luc Kernet. Retenez bien ça, les amis. Luc Kernet. Luc Kernet. Ok. C'est bon, ils ont réussi à le réanimer. Évidemment, je l'ai juste mis dans le chaos. Luc Kernet. Bon, monsieur. Non, vous n'allez pas le prendre. Reste ici. Merci, les collègues. Hein. Monsieur. C'est bon, vous obtempérez. Votre carte d'identité, s'il vous plaît. Maricon Sanjuan. Vous ne vous appelez pas Luc machin. Ce n'est pas votre camion. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour vol de véhicule sous les yeux des forces de l'ordre. Et franchement, là les gars, je crois que c'était le meilleur truc que je viens de faire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je ne sais pas, mais là, on vient d'assister à un vol en direct. Un vol en direct. Et on a pu tout de suite faire le lien que ce n'était pas son véhicule. On pourrait même aller plus loin et appeler l'assurance du camion, etc. Mais ça, on va laisser s'occuper. Voilà, on prévient dans les talkie-walkie. Ah là 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 là, mais c'est incroyable. Ce qui vient de se passer est incroyable. Bon, allez, c'est bon. Bonne soirée à vous, messieurs. Ah, j'ai adoré. Ah, j'ai adoré ce qui vient de se passer. C'était pas une intervention donnée. Mais c'était cool. Mon collègue, il est où, là? Il est là, il arrive. T'énerve pas. Attendez, là, il y a tout qui est barré. Wow, on va se calmer, on va se barrer. On va repartir. Par là-haut. Ah, c'était stylé, hein. Ah, j'ai kiffé, ça. Ah, ça, j'ai kiffé. Bon, bah, écoutez, on va continuer tout droit. Faut m'arrêter, les gars, hein, parce que moi, je peux faire ça pendant 3 heures, hein, donc... Bah, dites-moi, d'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Voilà, on y va comme ça au feeling. La vidéo, elle pourrait durer 1 heure. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Et voilà, je regarderai vos commentaires. Là, je vais continuer parce que j'ai encore envie. Et vous me direz si vous préférez les épisodes longs ou si c'est condensé. Voilà, dites-moi ce que vous préférez. Bon, et ça va, les gars. Les ambulanciers, ils sont de l'autre côté. Abusez pas. Abusez pas des bonnes choses. Ok. Attendez, on va juste faire un petit demi-tour. Voilà, comme ça, on va un peu surveiller les abords de la boîte de nuit, tiens. On va surveiller les abords de la boîte de nuit. Je pense que ça peut être une assez bonne idée. Super, le feu vient de passer au vert. On va passer tout droit dans les petites ruelles. Il y a plein de déchets partout. Ça me... Ah, c'est intolérable à Los Santos de voir ça. Là, on a des véhicules mal garés. Bon, rien de bien... Bon, ils sont pas sur des places handicapées. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Il y a plein de SDF, je pense. Salut, copain. Ça se passe bien? Ouais.
C'est bon, tout va bien. On pourrait faire un tour, hein, mais bon, j'ai pas envie de me faire démonétiser. Oula. C'est intéressant. Bon, voyons voir. Voyons voir. Regardez. Expérience. Est-ce une prostituée? Je ne sais pas. Elle a pas l'air de... C'est de la provoque, ça, madame? Bon, on va la laisser. Puisque du coup, on ne peut rien... voilà. Elle a le droit d'être au bord de la rue, de se déhancher. Elle fait ce qu'elle veut. Elle n'est pas à Walp. Voilà. Donc là, on ne peut rien dire, on ne peut rien faire. Ok, on a une overdose de drogue. On va s'occuper de ça, les amis. Alors, on n'est pas spécialisé drogue, mais on peut se le permettre. On va se le permettre. Donc, une personne qui nous a... Enfin, quelqu'un qui a appelé, puisqu'une personne fait une overdose de drogue. Évidemment, on va pas être méchant. Hein. Là, le but du jeu, ça va être de porter assistance. Va falloir porter assistance à cette personne. Faut juste qu'on la trouve. Faut juste qu'on la trouve et faut qu'on fasse ça vite. Il faut qu'on fasse ça vite. Faudrait pas qu'il crève. Putain, il est pas là. Il est pas là, il est pas là. Peut-être dans la ruelle. Tout va bien? Oh mon dieu, le temps de le trouver. Mais il est dans une ruelle, c'est sûr. Putain, c'est pas là. Oh, alors là. Oh punaise. Et puis y a personne pour nous aider, quoi. Y a personne qui fait de signes, quoi. Oh, ils sont là. Ah, si, si, ça nous a fait signe. Ok, super. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est lui qui nous a appelé. Oh là là, l'autre derrière, j'aime pas ça. La femme derrière, elle est par terre. Mais je pense qu'elle est encore en vie. Calmez-vous, on va vous aider. Est-ce que vous avez vu quelque chose de bizarre? Foaming in the mouth, please help her. Ouais, elle a fumé, quoi. Merci pour l'information, on va essayer, évidemment. Ok, allez, on va s'occuper d'elle. Oh, en plus, c'est une femme, la pauvre. Oh là là, madame, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Écoutez... On va porter assistance, on est les premiers sur place. Donc on va essayer de porter assistance. Et par la suite on va appeler directement les pompiers hein. Par la suite si jamais on n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Allez madame, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez madame? Est-ce que vous pouvez me serrer le poing? Allez, on va s'occuper de tout ça. Ce serait magnifique. C'est un petit peu moins magnifique. Ok, on va vite appeler les EMS. Vite, 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 vite. Merci monsieur, restez par ici hein. Ok ok, bon là c'est un petit peu chiant. C'est un petit peu chiant, j'espère que ça va bien se passer. Allez allez allez, surtout putain. Les gars c'est ici, on va les aider hein. Messieurs bonsoir. C'est par ici. Voilà. C'est juste ici monsieur. Oh là là. Allez on va... On va prier pour que... On va prier pour qu'ils y arrivent, en plus dans les sacs poubelles et tout, mon dieu, mais c'est un enfer. C'est un enfer. Allez, on y croit. On y croit. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai! Non, j'aime pas ça, j'aime pas ça du tout. J'aime pas ça du tout. Allez, je réessaye, ils abandonnent. Il faut pas abandonner. Bon, comment ça? Comment ça, shot by your firearm? Non, on va dire que c'est un bug. Attendez, 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 attendez. Elle a pas été tirée par un coup de feu. Il faut mener une enquête là parce que... Excusez-moi, c'est un peu glauque. Non, non. Bah après, si c'est les EMS qui l'ont dit, c'est que c'est vrai, hein. Monsieur, vous faites quoi, là? Monsieur, vous êtes débile? Bon, attendez, 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 attendez. On va la fouiller, on va la fouiller, on va la fouiller. Il y a des trucs, là, qui m'échappent, là. On va la fouiller. Ils disent... Parce que le monsieur nous dit que elle s'est fait intoxiquer, donc elle a fumé. Overdose. Enfin, elle a pris des trucs, tu vois. Ouais, voilà, de la MDMA. Voilà, donc c'est à ne... Hein, ok.
Mais rien nous dit qu'elle a été butée, quoi. Marielle Eriksson. Mais eux, ils disent qu'elle a été butée par une arme à feu. Bon, je pense que c'est un bug. Monsieur n'a pas l'air... Attendez, monsieur. Monsieur, venez avec moi. On va se mettre de nouveau là-bas. Bah, attendez, on va peut-être pas se mettre à côté... Elle est morte. On va peut-être pas se mettre devant le cadavre. Non, s'il vous plaît, dégagez, y a rien à voir. Dégagez, y a rien à voir. Madame, 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 madame. Partez, partez, madame. S'il vous plaît, partez, madame. Merci. Attendez, il faut pas... Voilà, tout est under control. Hein. Alors, attendez. Chaque chose en son temps, on fait les choses bien, vous avez vu? On fait les choses bien, on va appeler les coroners. Ce sera une bonne chose. Monsieur, je vais vous demander une carte d'identité, s'il vous plaît. Si vous en avez une. Sinon, c'est pas grave. Eddie Manana. Ok, est-ce qu'on a une Eddie, un Eddie Manana? Là, ça, si franchement le mec était recherché, ça aurait été incroyable. Un retournement de situation que personne n'aurait pu prévoir, sauf moi. Mais là, ce n'est pas le cas. Monsieur, pour des raisons de sécurité, je vais vous demander de vous retourner. Et je vais vous faire une palpation de sécurité, si ça ne vous dérange pas. Pendant que les coroners s'occupent du cadavre. Ok, bon, déjà, lui, il a rien fait. Donc, c'est bon. Monsieur, vous pouvez partir. Vous pouvez partir. Passez une belle soirée. Désolé pour ces images. Hein. Désolé pour ces images. Bah, du coup, c'est bon. Elle n'a pas été tuée par une arme à feu, en tout cas. Sinon, on aurait vu d'autres choses. Mais tu vois, ils leur disent « Shot by your firearm ». C'est un bug, hein. C'est un bug. Bon, nous, on va repartir, collègue. On va repartir, collègue. On va se faire une dernière intervention, les copains. On va se faire une dernière intervention. Et puis on va pouvoir s'en arrêter là pour cette vidéo. Je vérifie juste que tout se passe évidemment bien. Voilà, c'est bon. Tout est sous contrôle. Voilà. Parfait. Allez. Nous, on va partir. Je vais pas vous mentir, je suis un peu triste. Là, je prends le truc premier degré, quoi. Là, c'est... Je peux pas faire plus RP, hein. Là, je suis vraiment triste. Bon, bref. C'est comme ça. Ainsi va la vie. Bonne soirée à vous. Qu'est-ce qu'il fait en plein milieu, lui? Bon, bref. On est pas là pour ça. On va continuer notre patrouille et on va partir par là-bas. Ça me semble pas trop mal pour notre dernière intervention. Ok. Un mec qui a des problèmes mentaux et qui a une arme à feu. Le mec va faire un massacre. Ok, code 3. Bah, tu m'étonnes qu'on y va en code 3. Donc, code 3, c'est sirène, lumière. C'est la panique. Il a une arme, il a une arme, il a une arme, il a une arme. Il va buter tout le monde. Je vous le dis, il va y avoir... Oh là là, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. On va y arriver, on va réussir quelque chose de bien, là. Je sais pas... Putain. Il va falloir qu'on le... On va garder le taser, mais en vrai... Non, non. Je sais pas si on va garder le taser. On va garder le taser. Je la sens pas, moi, cette histoire. En plus, la nuit, là, il devrait y avoir plein de gens rassemblés en train de se balader... Aïe, aïe, aïe. En plus, faut le trouver. Là. Oh putain. C'est pas lui. Bonjour, monsieur, dites-moi ce qui se passe. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gars qui se promène, j'ai trop peur et tout, il a une arme. Il est où? Il est à quelques pas d'ici. Il a un problème mental, c'est sûr. Ok, bah ouais, rentrez à la maison. Rentrez à la maison, mettez-vous safe. Oh! Arrête! Salope! Oh waouh! Oh merde! On va appeler une unité supplémentaire là. Oh mon dieu! Bon là il est mort mais... Oh mon dieu! Ce retournement de situation! J'ai envoyé une fusée éclairante, pardon. Ouah mais what the fuck! Mais what the fuck! Vous avez vu ça? Oh, c'était stylé! Oh, c'était stylé en vrai! Oh, bah, ça, franchement, je m'y attendais pas. Hein. Je m'y attendais pas. Bon, moi, j'irai chez les pompiers parce que je me suis pris quand même une balle perdue là, mais. Ok, bon, on va laisser les unités s'occuper. Ouah, mon dieu, mais. Ce retournement de situation! Mais trop fort, le mec! C'était trop bien. En plus, je me disais, mais sa maison, elle doit être là. Pourquoi il part en courant là-bas? Putain, mais c'est génial! C'est du génie! Merci d'être venu, vous pouvez repartir. Oh là là! C'est incroyable. Les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé cet épisode.
Eh, Jean Bégay, il était trop bien. Il s'est passé trop de choses en vrai. Je suis trop content. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu. À répondre à mes commentaires, à mes questions, pardon, en commentaire. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde!